Une tempête en Corse, les images impressionnantes des carcasses de bateaux. La Corse est toujours sonnée après la tempête qui a fait cinq morts et plusieurs blessés. Girolata, un petit village de l'ouest de l'île accessible uniquement par la mer, est particulièrement meurtri par cette catastrophe naturelle. La vision est effrayante, des carcasses de bateaux par dizaines et à perte de vue, tous échoués sur les rochers, détruits par la tempête qui s'est déchaînée sur le village de Girolata, en Corse, faisant cinq morts. Avec un ami, on est venu avec un semi-rigide, le lendemain, et on a vu les débris de partout et tous ces bateaux à l'abandon, explique au 20h de TF1 José, un habitant du village. Jeudi à 8h du matin, personne n'a vu venir la tempête. En moins de 10 minutes, les bateaux se sont échoués et les toits des maisons se sont envolés. Jean-François Luciani, adjoint au maire du village, vit ici depuis 70 ans. Il n'a jamais connu ça. Ça a été l'apocalypse pour tout le monde. Il y avait deux enfants ici. Tout le monde a été traumatisé, décrit-il, ému. Les 35 habitants vivant ici à l'année sont encore sous le choc. C'est le cas de Guy, qui pense sans cesse à son ami Jean-Paul, habitant du village et pêcheur reconnu, qui a péri en mer. C'est ce qu'on craignait pour les gens qui étaient en mer. On connaît ses dangers dans ces conditions. Et d'ailleurs, on pensait à notre ami Jean-Paul, qui a disparu à ce moment-là, explique Guy, les larmes aux yeux. Il a commencé la pêche, il avait 14 ans. Il aura pêché jusqu'à la fin. De leur côté, Eva et Luca, deux touristes italiens, ont, eux aussi, tout perdu. Il ne leur reste plus que les vêtements qu'ils portent sur eux. Nous sommes sortis sans rien. La population nous a beaucoup aidés et nous a donné des vêtements car tout est resté dans le bateau qui a pris l'eau. C'est terrible. Le long du port, Marc Balieu reste sonné, cela fait sept ans qu'il travaille à la capitainerie. Il culpabilise de n'avoir rien pu faire pour aider les naufragés au cœur de la tempête. On entendait les gens qui disaient, au secours, on a des enfants? d'autres bateaux nous foncent dedans et on voyait les petits bateaux qui s'envolaient, décrit-il. On ne pouvait pas sortir pour aller les secourir. On était là, dans la capitainerie, coincés et recroquevillé, alors que des objets nous tombaient dessus. Désormais, c'est dans un girelate à endeuiller que touristes et habitants attendent désormais le retour de l'électricité.